Salut, ça va? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette petite canicule qui risque de me laisser un petit peu transpirant au fil de la vidéo. Mais on est pas mal ici à l'ombre, dans mon poulailler, c'est l'endroit le plus frais de la maison, c'est pour ça que je viens me recueillir ici quelques instants avec vous. Comme je vous l'avais dit, je voulais multiplier les formats sur l'anarchie. Parce que je me voyais pas tout regrouper en un, tout simplement parce que d'un côté je pense qu'il faut parler de sa propre vision de l'anarchie, c'est important de donner sa vision des choses pour que vous puissiez vous confronter à elle et que ça puisse faire évoluer la vôtre. Hein, et j'ai fait une vidéo récemment dessus. Je vais vous proposer un autre format et cet autre format c'est que je vais vous lire des livres. Ouais, je vais faire des livres audio. Alors je sais pas dans quelle mesure j'ai le droit et tout, mais comme je vais prendre au début déjà des livres qui sont libres de droit, je pense qu'il n'y a pas de souci. Personnellement, moi je lis un petit peu, et à côté de ça, j'écoute aussi des livres audio, parce qu'on peut en emprunter à la bibliothèque, entre autres. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a certains moments où on n'a pas les mains libres, on peut pas trop, je sais pas, pour vous, moi, j'en ai pas de transport en commun, par exemple. Mais pour vous, dans les transports en commun, en marchant dans la rue, vous pouvez pas spécialement lire, peut-être. Vous pouvez, par contre, écouter une vidéo, écouter un livre audio. Moi, quand je faisais des travaux, quand j'en fais encore, quand ils sont pas trop bruyants et quand il faut pas trop d'attention, par exemple, quand je posais mes moellons, dès que c'est parti, tu peux le faire sans trop réfléchir, j'aimais bien écouter un livre. Voilà. Donc comme c'est quelque chose que personnellement j'apprécie, et récemment j'ai écouté un Orwell comme ça, j'ai trouvé ça bien. Je pense qu'il ne faut pas que les livres soient trop compliqués non plus, parce qu'on a plus d'attention sûrement quand on lit en même temps. Mais comme moi c'est quelque chose qui me tenterait, je me dis pourquoi pas vous. Donc je vais essayer, laisse ça toi. Donc c'est pas un livre de Bakounine, Bakounine elle essaye de piquer le bouquin. Le premier livre avec lequel je vais commencer c'est La morale anarchiste de Pierre Kropotkin. Alors Pierre Kropotkin, qui était un contemporain de Bakounine, si Bakounine c'était le roi même s'il aimerait pas ce mot là, Kropotkin c'était un petit peu le petit prince de l'anarchie. C'était pas Faudel, c'est pas le petit prince du rail, mais il avait du sang noble et pourtant il a passé sa vie à lutter contre les inégalités. Il a fait pas mal de prison. C'est quelqu'un qui écrit très bien, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il a ce petit côté pragmatique et c'était un scientifique. Et donc ça rend ses livres très intéressants. C'est souvent, alors les anarchistes, je sais pas s'ils sont feignants ou si c'est. Mais c'est souvent des petits bouquins, il y a beaucoup de petits bouquins. Donc, pour commencer, je pense aussi que la morale, c'est un petit peu la base de beaucoup de choses. Donc, c'était intéressant de commencer par celui-là. Et puis, c'est ni compliqué à lire, ni compliqué à écouter. Il y a une dizaine de chapitres, peut-être même 10. Ce qui fait qu'en 15 jours, si ça vous dit 10 minutes par jour, même quand vous êtes aux toilettes, si vous êtes du genre à rester longtemps, vous allez pouvoir vous lire un livre. Vous pouvez l'acheter aussi, ça coûte 3 euros un livre comme ça. Ça peut être bien de l'avoir dans sa bibliothèque pour relire de temps en temps un petit passage. Je vous conseille d'aller l'acheter en librairie. C'est bien de faire lire les libraires. Je vous mettrai peut-être quand même un lien Amazon. On ne sait jamais si vous êtes ultra reculé et que vous ne pouvez pas vous déplacer. Même si je ne suis pas spécialement pour l'achat de livres sur Amazon. Loin de là même, mais je vous mettrai peut-être quand même un lien si j'ai le temps d'en trouver un. Et voilà. Par contre, je ne vais pas commencer maintenant. Je commencerai dans la prochaine vidéo, tout simplement, pour que ça soit plus digeste. Je vous lis un chapitre. À la limite, après, j'en parlerai peut-être un petit peu. Je dirai ce qui me sort par la tête. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous pourrez passer à la suite, jour après jour. Et si ça vous plaît et si on continue comme ça, qui sait, dans un an, vous aurez peut-être lu 25 bouquins de plus. Sans savoir lire, ça se trouve tu sais pas lire, écoute, t'as le droit de pas savoir lire, t'as le droit de pas aimer lire, c'est pas pour ça que tu dois être privé de culture, c'est bien dit ça. On attaque bientôt alors, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et ce qu'on fait pas à la fin d'un bouquin
un petit live aussi. Je veux bien avoir votre avis. Et je vous dis, je sais pas, je vais essayer pour demain. À demain. Le matin, très tôt. Comme ça, vous l'avez pour partir au boulot. Allez, salut !